ne se trompe jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Winamax FC, l'interview. Plus de 1200 matchs en tant que joueur puis coach, c'est le palmarès de Claude Puel, l'une des figures du football français. À l'occasion de la sortie de son autobiographie Libre aux éditions Solar, Claude Puel revient sur son parcours de Monaco à Saint-Etienne en passant par Lille, Lyon et Nice. Un entretien football avec un homme football, régalez-vous. Claude Puel, merci beaucoup, bienvenue dans le Winamax FC. Plus de 1200 matchs entraînés, joués, c'est un record en France. Déjà, on le fait de manière générale avec tous nos invités. Mais c'est quoi votre premier souvenir avec un ballon ? Premier souvenir, c'est derrière chez moi ou chez mon voisin. Voilà, j'étais tout petit et puis je prenais le ballon, j'essayais de le dribbler. Il avait 5-6 ans de plus que moi. Et il me laissait lui faire un petit pont et j'avais l'impression voilà, d'être fort, d'être hyper truc. Voilà. Mais après, premier souvenir, c'est à partir de l'âge de 9 ans, poussin, pupille, où voilà, c'était pour moi un espace de liberté. C'était voilà, courir, me dépincer et... Et rien d'autre en tête, quoi. Pas le fait de suivre une équipe, d'être passionné, entre guillemets, de football. C'était vraiment m'émanciper. C'était un espace de liberté, voilà, courir. Mais c'était plutôt le ballon ovale, hein, il me semble. Hein. Oui, du côté de mon père. Hein. Mon père qui a joué au rugby, qui a fait 2-3 matchs du manoir avec le CO, avec Castres Olympique. Mais... voilà, qui jouait talonneur, qui revenait des fois avec des stigmates. Voilà, ma mère n'a pas trop donné suite et a préféré que je fasse du football, que je suive mon frère plutôt que de prendre la direction rugby. On l'a dit, hein, grosse carrière générale, mais grosse carrière de joueur aussi, exclusivement à l'AS Monaco, plus de 600 matchs joués. Est-ce que, en résumé, on pourrait dire équipier modèle, mais insupportable sur le terrain ? Parfois. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Oui, pas insupportable. Je dirais oui, j'étais un bon équipier parce que Monaco jouait systématiquement les premiers rôles. Il fallait faire une Coupe d'Europe, il fallait être très, très performant. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu de grands joueurs. Mais il y a toujours eu à Monaco, à cette époque-là, un panachage entre des joueurs formés au sein de formation et puis des... encadré par des internationaux, des grands joueurs, même étrangers. Et Monaco a toujours eu cette particularité de former des grands joueurs. Et on l'a vu, on peut énumérer un nombre incalculable de joueurs qui ont été retenus après en équipe de France et qui ont fait une grande carrière. Mais voilà, moi j'étais l'équipier, comme vous disiez, un petit peu l'équipier modèle, milieu défensif, quand je me suis restreint à un seul poste, parce que j'ai commencé un petit peu à être très polyvalent. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais habitué justement à jouer du très haut niveau, et puis à jouer des titres, et puis à jouer dans des équipes très techniques, même si moi, ce n'était pas ma qualité première. Mais vous arrivez à chaque fois à vous en sortir, vous dites dans le livre notamment... J'étais pas programmé pour être titulaire dans les équipes très souvent et finalement c'était moi qu'on retrouvait au milieu de terrain. Oui, je faisais presque systématiquement le plus de matchs chaque fois parce qu'il n'était pas concevable pour moi de ne pas jouer, de ne pas être titulaire. Et puis c'est vrai que c'était une compétition déjà très exacerbée à l'intérieur du groupe, du club. Je mettais beaucoup de pression sur mes partenaires. Mais le côté insupportable que vous signalez, c'est plutôt... côté un petit peu intransigeant que j'avais joueur, parce que j'étais toujours été un compétiteur, j'avais la gagne et un sentiment exacerbé à moi, et si je perdais un petit jeu à l'entraînement, j'étais fou, quoi. Je supportais pas, je rentrais chez moi, mon épouse pouvait pas m'adresser la parole, mon partenaire de jeu qui avait déjà oublié qu'il avait perdu, était passé à autre chose, déconner, raconter des histoires, était sous la douche, voilà, et c'était fini. Et je le voyais, mais j'avais envie de le prendre, de l'accrocher au porte-manteau, parce que je me dis, mais c'est pas possible, comment il fait, ça lui fait rien. Et il me tardait qu'il y ait le prochain petit jeu pour le gagner à l'entraînement, et voilà, là j'étais content, et ça repartait. Quoi. Votre ouvrage s'appelle Libre,
Est-ce qu'on est libre quand on est coach? Je pense que c'est un terme de personnalité. J'ai un trait de caractère, de ne pas subir les situations et de pas accepter des choses qui seraient pour moi inacceptables, c'est-à-dire de m'obliger de mettre tel joueur, de faire ci, de faire ça. Je n'accepte pas de l'ingérence, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire être obtus, ça ne veut pas dire être rigide. Et bien sûr que il ne faut pas aller dans le mur, mais si on pense que c'est la bonne direction, il n'est pas concevable de changer. Est-ce qu'au fur et à mesure de votre carrière de coach, vous vous sentez de moins en moins libre par rapport à l'évolution du sport? Je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai eu le privilège d'entraîner comme je le souhaitais, c'est-à-dire sans faire de concessions. On ne m'a jamais rien imposé, du moins je ne me suis jamais laissé imposer quoi que ce soit. Et j'ai toujours assumé les directions qui ont été prises, les choix qui ont été faits, et je ne voyais pas mon métier autrement. Le métier évolue beaucoup, comme la société. Le rôle que j'ai eu souvent, la plupart du temps, un manager avec des responsabilités sur tout le sportif du club, je pense que c'est pratiquement plus possible. Il n'y a plus d'entraîneurs qui ont un rôle aussi élargi que j'ai pu l'avoir dans mes différents clubs. Et puis même l'évolution avec l'arrivée de fonds américains, chinois ou autres, ou des grandes fortunes à la tête des clubs, font que nos clubs, les clubs en général, même en Angleterre, de partout, sont rachetés. Et puis le nouveau propriétaire met toute une équipe en place, que ce soit un président, un directeur général, un directeur sportif, un entraîneur, un staff, jusqu'à un agent qui va recruter les joueurs. Enfin, c'est toute une équipe qui prend possession du club, et pratiquement l'entraîneur fait partie d'un staff et n'a plus, je dirais, les coups des franches, si ce n'est d'accepter d'être dans ce staff, d'accepter des décisions qu'on prend pour lui. Il garde son rôle, bien sûr, sur le terrain, du moins je l'espère pour lui, où il va composer son équipe, la faire évoluer de la façon dont il veut la faire évoluer. Mais voilà, ça, on a beaucoup restreint le champ de l'entraîneur et le champ de ce qu'on pouvait dire auparavant, comme en Angleterre, de manager. Mais c'est bizarre parce que je suis d'accord avec vous sur le constat, mais pendant toute votre carrière, on détaillera quelques expériences intéressantes à ce niveau-là, c'est quand vous arrivez dans les clubs, ce sont souvent des clubs qui, justement, ont un défaut de structure, même à l'Olympique Lyonnais. Ce constat-là, vous faites maintenant l'inverse en disant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont surstaffées, ou en tout cas qui sont staffées de manière cohérente maintenant. Pourquoi vous ne dites pas, au contraire, moi, maintenant, le travail va être fait par d'autres? Et mon job, qui était de structurer l'équipe, aujourd'hui, je vais me retrouver dans des clubs structurés, donc je vais pouvoir faire pleinement mon rôle de coach. Si dans un club, et je l'espère, il y a une recherche de compétences et de mettre les bonnes personnes au bon poste, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut savoir pouvoir restreindre son champ d'activité, être concentré essentiellement sur une certaine zone et sur l'équipe, avoir plus de temps pour manager les joueurs par exemple, parce qu'il faut individualiser le management par rapport aux joueurs. On a besoin de l'encadrer, de le soutenir ou de l'encourager, de le comprendre beaucoup plus qu'auparavant. Et donc ça permet de libérer du temps et de l'espace pour encore plus de performance, pourquoi pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est simplement, il faut faire attention. J'ai pu arriver, par exemple, je suis allé en Angleterre avec l'idée, bon, mais je vais à l'étranger, cantonne-toi à être simple entraîneur et c'est tout, quoi. Et puis concentre-toi sur ta principale tâche. Mais à un moment donné, quand vous arrivez quelque part et puis que vous observez des dysfonctionnements, des choses qui vont impacter votre métier, ce que vous voulez pour l'équipe,
à un moment donné, c'est un petit peu plus fort que moi, j'interviens. L'exemple de la réserve avec Leicester, vous avez besoin de parler avec la réserve, parce que ça m'a permis par la suite, oui, on peut en parler, mais mon intervention a permis, je dirais, de mettre des choses en place, de sortir des jeunes du club, ce qui n'avait jamais été fait, de les développer en première ligue, etc. Tout est important et c'est intéressant de vouloir structurer un club. Mais encore une fois, il faut des bonnes personnes. Encore une fois, il faut garder de la fluidité entre les services. Il faut que tel directeur de recrutement, directeur de la communication, directeur du médical, etc., directeur sportif, puisse continuellement échanger. Mais il arrivait parfois que, malheureusement, certaines personnes veuillent garder un certain pouvoir, cacher des choses à sa hiérarchie et ne voulaient pas partager ou voulaient imposer des choses. Un directeur de recrutement à qui je demandais par exemple, bon ok, je ne vais pas moi prospecter, tu as une liste d'arrière-gauche par exemple, il me montre une... Mais je regarde le joueur, je veux voir si vraiment il correspond à ce que je recherche. J'ai confiance au recruteur, mais c'est moi qui vais l'utiliser. Après, c'est à moi qu'on va demander des comptes. Et là, quand je constate que le joueur qu'on veut me faire prendre ne correspond pas du tout au profil du joueur que je veux pour jouer le type de jeu que je veux mettre en place pour l'équipe, donc là, je suis obligé d'intervenir. Vous avez évolué cette saison avec Arsène Wenger, vous étiez joueur, il était coach. Est-ce que c'est lui qui vous a donné cette route-là du management en tant que coach, c'est-à-dire d'un entraîneur qui s'occupait également de tout le structurel? Parce que quand il était à Monaco, parce qu'à Monaco, il était encore, il a été simple entraîneur. Il y avait des choses qui étaient mises en place. Mais par contre, ça a été le premier à Monaco, je dirais, à commencer à aborder. C'était les balbutiements de la préparation physique, les balbutiements des aspects tactiques en essayant d'être un peu plus pointu. Les balbutiements sur la nutrition, l'alimentation, ce qu'on appelle le professionnalisme, l'entraînement invisible, entre guillemets. Voilà, c'était le premier qui nous alertait, qui nous éveillait à ce genre de choses. Donc c'était intéressant. Et puis, comment dire, il a une personnalité qui, entre guillemets, en impose. Il est grand. Ouais, même si vous n'avez pas eu peur de lui, parce que sur un des premiers entraînements, vous le séchez. Oui, ça. Oui, bah, t'es fou. Fallait pas. Sur un jeu à l'entraînement. Il fallait pas jouer. Il fallait pas jouer. Non, mais là, voilà, il avait une autorité naturelle. Il arrivait, je dirais, après un match, il est quand même assez bouillant, assez sanguin sur le banc, mais il arrivait quand même très vite à faire un débriefing, à se présenter devant la presse et puis à avoir. Je dirais des analyses qui étaient pensées, qui étaient réfléchies. Il avait quitté son côté un petit peu sanguin sur le banc. Et pour moi, c'était intéressant de l'observer sur ce plan-là. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a réalisé, notamment à Arsenal, c'est quelque chose de fabuleux en termes de travail pour le club, en termes de régularité à un très haut niveau, en termes de fidélité. Voilà, c'est quelque chose, c'est un exemple. C'est un exemple. Ce mode de fonctionnement, là on revient sur votre période de coach. Alors vous avez gagné immédiatement avec Monaco en passant entraîneur, après avoir été préparateur physique puis entraîneur adjoint de Jean Tigana. Mais je trouve que le moment charnière important de votre carrière à tous les niveaux, c'est le passage à l'Olympique Lyonnais, où ce mode de fonctionnement a été beaucoup challengé. Est-ce que, avant de venir, vous aviez sous-estimé la difficulté d'intégrer un club qui gagne? Parce qu'on rappelle, quand vous arrivez, ils sont sur 7 titres de champion de France. C'est surtout ça que je pense qui m'a été reproché. Quelque part, j'étais celui qui avait interrompu la lignée et puis le fait d'être champion à chaque fois. Même si on sentait cette période quand même. Oui, mais voilà, c'est le truc. Un ou deux ans avant, déjà, le président Aulas me faisait des appels du pied. Je sais qu'il s'intéressait à moi. Mais de ma perception que j'avais à ce moment-là du club et de mon métier d'entraîneur,
voilà, je voulais être acteur, pas simplement conduire la Formule 1. Moi, c'était pas juste conduire la Formule 1. Il y en a beaucoup qui s'en contenteraient parce que voilà, ça fournit, ça fait un palmarès, ça permet de rebondir dans un autre grand club, un autre club avec notoriété. Et moi, j'étais plutôt dans cet aspect-là, je veux être acteur. Et acteur, je me disais, OK, si je vais en ce moment à l'équipe lyonnaise, mais ils ont une équipe fabuleuse. C'est super intéressant, c'est bien. Où est-ce que je vais trouver ma motivation à apporter quelque chose? Je ne trouvais pas le truc simplement de la conduire et puis d'avoir des titres. Moi, il fallait me réaliser également. Et c'est là où je m'accomplissais. Et donc, c'est vrai que quand je réponds favorablement à l'Olympique Lyonnais, ma perception de l'extérieur, il venait de terminer sur un doublé. Donc c'est gonflé ce que je dis ou ce que je peux dire. C'est-à-dire, je percevais que cette équipe, malgré cette superbe saison en termes de palmarès, mais je trouvais que cette équipe, elle était sur le retrait. Elle commençait à vieillir, il fallait la régénérer. Il y avait des choses qui m'indiquaient que c'était le... quelque part le début de la fin. Alors on peut très bien partager ça et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est la perception que j'en avais. Et c'est vrai que dès que je suis arrivé, la première des choses qu'on me livrait, que ce soit par des joueurs, des dirigeants, même des supporters que je rencontrais, c'était voilà, bon, on a donné le titre, ok, voilà, on sait ce que c'est le titre, nous ce qu'on veut c'est la Coupe d'Europe. Et tous me parlaient Coupe d'Europe, Coupe d'Europe, Coupe d'Europe. Bien sûr qu'il fallait être dans les trois premiers pour continuer la Ligue des Champions chaque fois, mais ce qu'ils voulaient, ils étaient obsédés tous par la Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, dans la première année, mais j'avais un mal fou à garder concentrés les joueurs et à même les motiver parfois pour le championnat, pour le quotidien, alors que c'était quelque chose qui était au départ naturel et exacerbé. Mais ils avaient cette impression d'être arrivés à un moment donné, ils avaient donné là. Maintenant, c'était autre chose qu'ils voulaient. Et c'est cette Coupe d'Europe qu'ils voulaient. C'était le Graal et de la part de tous les intervenants que je rencontrais. Donc c'était ça, il y avait un petit, ce décalage-là. Et puis le fait que petit à petit, il fallait réinsuffler et mettre un peu plus de jeunesse, un peu plus de renouveler un petit peu l'effectif pour le voir encore grandir. Et c'est vrai qu'on fait une deuxième saison après où... qui est abouti quand même, qui est difficile, parce qu'on va loin en Coupe d'Europe, dans les compétitions, on va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, on accroche la deuxième place, alors qu'on joue tous les trois jours par rapport à nos adversaires. Là, ça parle de meilleure saison de l'histoire du club. Voilà, ça a été pour lui la meilleure saison du club. On élimine le Real, ce qui était un truc de dingue, sur deux matchs, aller-retour, match-retour au Real, à Bernabeu, alors qu'il venait de prendre Kaká, Ronaldo, c'est ça. Mmh. Donc, il y avait une équipe de folie avec Pellegrini, qui était l'entraîneur. Et ils voulaient faire la finale chez eux, dans leur stade. Donc, les éliminer là-bas sur un match retour, après un super match, voilà, c'était quelque chose de grandiose. C'est pour ça que le président Aulas qualifie cette saison comme la plus belle. Et puis arrive cette troisième saison où, je dirais, j'hérite des joueurs. C'était déjà costaud quand... de jouer tous les trois jours et d'avoir beaucoup d'internationaux dans une équipe parce qu'ils ont tellement de compétitions et là, ils arrivent, ils sortent de la Coupe du Monde. 2010, on rappelle, particulière. Oui, particulière parce que c'est l'Afrique du Sud. C'est un traumatisme pour certains joueurs. J'avais six joueurs à la Coupe du Monde. Ils arrivent, ils sont vraiment, ils n'étaient pas du tout concentrés. Ils sont out. Psychologiquement, ils ne sont pas prêts à reprendre. En plus, ils arrivent 15 jours avant le premier match de championnat parce qu'il faut leur laisser 15 jours, 3 semaines de récupération. Et donc là, ils ne sont pas prêts. On fait un mauvais début de championnat. On se retrouve début septembre, 17e, 18e. Et là, voilà, j'explique le processus. J'échange avec mon président et tout, et qui veut les rencontrer, les remotiver, les réinscrire dans le quotidien du championnat, déjà, d'une part.
Et puis, il se passe de tout le contraire. Et puis, ça m'échappe parce que, voilà, on me met de suite le responsable. Il y a le derby perdu qui fait mal aussi. Responsable, on me jette au pilori, on me jette en pâture aux supporters, on me jette en pâture aux médias avec un ultimatum. Et voilà, on me lâche complètement. Alors, dans une situation qui était explicable et le pourquoi des choses. Et là, je trouvais... cette saison super intéressante à coacher, à manager. Et je ne dirais pas que j'ai pris du plaisir parce qu'il y avait un tel environnement négatif pour moi, pour ma famille. Bon, on n'est pas là pour entraîner dans ces conditions. Mmh. Mais quand ça arrive et quand c'est arrivé de cette manière, je savais que ma marge elle était tellement ténue, que j'étais sur le fil du rasoir. Je devais être encore plus précis, encore plus pointu dans mon management, dans ma relation avec les joueurs, ne pas les perdre, garder leur respect, etc. Que c'était super intéressant. Et il se trouve que dans toute l'adversité que j'ai pu traverser avec mon staff, avec mon adjoint Patrick Collot, on est remonté. On sort de la poule à Ligue des Champions, on perd contre le Real Madrid, ce qui n'est pas déshonorant sur match aller-retour, et match retour à l'extérieur. Et puis on finit qualifié pour la Ligue des Champions sur un dernier match en étant 17-18e au départ. C'est un parcours extraordinaire. Et d'autant plus qu'à la fin, ce dernier match, je dirais que c'est quelque chose de très particulier parce que ça se joue à Monaco, c'est mon club de formateur, club de cœur. Et en gagnant là-bas, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Et Monaco est rétrogradé, à l'occurrence, en deuxième division. Et donc, c'est ambivalent. Je suis fier, je suis triste. Et le lendemain, on revient sur l'heure de la nuit. Le lendemain, je suis convoqué par le président. Je suis licencié. Voilà, c'est le parcours d'entraîneur. Et ça fait partie des aléas de métier, etc. C'est sûrement également une part de responsabilité dans la communication, dans le partager plus, dans les messages, dans de faire du off. Vous débarquez très souvent dans des clubs où la structuration est complexe, où il y a beaucoup de choses à mettre en place. Est-ce que c'est la difficulté qui vous motive quand vous prenez un club? Peut-être pas aujourd'hui, mais non, en tout cas sur l'histoire. Non, j'ai choisi des clubs, je suis allé dans des clubs par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, par des coups de cœur. J'ai pas du tout été carriériste par rapport à mon cheminement d'entraîneur. Peut-être à tort, c'est comme ça, mais par exemple, je raconte une histoire de Porto, je suis à Lille, si je suis dans un choix, bon, sois carriériste, passe à ta gueule, et puis c'est tout, prends ce qu'il y a à prendre, et puis va très vite dans le meilleur club, et puis tu tires les ficelles. En fait, c'est ça, être... Précisez-le, à Lille... C'est faire une carrière d'entraîneur, oui. Deuxième saison, c'est Mourinho qui part de Porto, et je ne savais pas. Porto vient vous chercher, mais ils ne viennent pas seulement vous chercher, en fait, ils vous donnent un contrat et vous dites rendez-vous demain à la conférence de presse. Ouais, c'est ça, c'est leur choix a été fait, ils n'ont pas compris que je puisse refuser, les dirigeants étaient là, mais la saison était engagée, c'était le premier match de la saison contre Auxerre, il me semble. Et puis je devais laisser tout en plan. On venait de faire deux saisons où on a joué le maintien. Je me dis, mais si je les lâche là, ils ne sont pas prêts encore. Le club risque de descendre. Je dois être présenté demain à la presse. C'est-à-dire, même pas, je vais voir mes joueurs, mon staff, et leur dire au revoir. Je me dis, mais c'est pas moi, ça. C'est pas possible. Et donc, je refuse, alors que le club était champion d'Europe, ça pourrait me permettre de faire le championnat du monde du club, de faire la Coupe intercontinentale, de répondre déjà à quelque chose de très haut niveau, et si ça réussissait, de m'inscrire dans une carrière avec des grands clubs, pourquoi pas. Mais voilà, ma pensée, c'était ça. Et mon fonctionnement a toujours été comme ça. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est que avec cette même équipe où on joue pendant deux ans le maintien, mais j'avais pris des joueurs chaque fois
sans moyens financiers, mais avec des caractéristiques techniques, d'intelligence de jeu, et qu'on a travaillé, qu'on a développé, et qu'on a amené à du très haut niveau, puisque derrière, on fait deuxième, troisième de deux années de suite sur le podium, on fait des Ligues des Champions, on va battre Manchester United, on bat Milan à Milan, qui deviendra champion d'Europe à la fin de la saison. Enfin, on fait des choses complètement dingues. Et puis on a valorisé des joueurs qu'on a eu gratuitement ou quelques milliers d'euros et on a vendu pour plus de 250 millions d'euros. On rappelle d'euros. Le Kader Keïta, oui, tout à oui, fait. Oui, entre autres. Et il y avait l'exemple d'Odé Mouingué aussi. Oui, mais... Ah, il y a plein de petits coups comme ça qui sont très... Oui, mais plein comme ça. Mais on a révélé des joueurs, mais encore une fois... Même si j'arrivais dans un club qui n'avait pas de moyens, et ça je ne le savais pas, parce que je pensais arriver à Lille avec un club qui sortait la Coupe d'Europe, je dis, il a fini cinquième du championnat. Et là, quand j'arrive, il vend tous les meilleurs joueurs. Il reste 5-6 joueurs, mais complètement désabusés parce qu'ils n'ont pas trouvé preneur. Ils restent avec leur petit salaire, et tous les meilleurs joueurs sont partis. Et aucune possibilité de recrutement. Et j'arrive dans ces conditions. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc. Michel Sédoux, le président, arrive, il rachète des parts. Et lui aussi, et il est surpris. Et en fait, il a racheté une coquille vide. Et tous même des membres de la direction et tout le monde s'en va. Tout le monde va au plus offrant et s'en va. Et je me retrouve dans ces conditions. Donc là, voilà, je suis mis devant le fait accompli. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on est reparti à la base. Et plutôt que là, par exemple, c'est un choix qui est pour moi très important, plutôt que de partir, on va jouer le maintien. On le sait. Et donc, chez la majorité, ça aurait été, eh bien, on va prendre des joueurs dits d'expérience qui ont joué souvent le maintien et qui connaissent ce truc-là et qui résisteront à la pression pour se maintenir. Je dis, mais si on fait ça, s'ils ont joué souvent le maintien, déjà, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour aller plus haut. Ça, c'est déjà la première caractéristique. La deuxième chose, on n'est même pas sûr de pouvoir se maintenir avec eux. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si jamais on se maintient, et si on veut avoir quelque ambition, on ne peut pas s'élever avec eux. Donc, pour moi, c'est toujours très important. On parie sur des joueurs qui ont un potentiel de base, même s'ils sont jeunes. On va souffrir, on va s'accrocher. On va garder le cap et ces joueurs-là, on va les faire progresser. On va se maintenir, même si c'est dans la difficulté. Et derrière, on va enclencher. Et c'est ces mêmes joueurs qui ont joué 2 ans le maintien qui se retrouvent après en Ligue des Champions et qu'on retrouve dans plein de clubs, grands clubs européens par la suite et qui deviennent internationaux. Voilà, pour moi, c'est une belle histoire. Et c'est vrai que ça venait après le refus de Porto. Et c'est vrai que pour moi, c'était important. Et je suis fier de ce qu'on a réalisé. Et je trouve vous très... Vous l'avez dit aux joueurs que vous aviez refusé Porto ? J'en ai jamais reparlé. Je ne sais pas s'ils l'ont su, justement, et si ça a fédéré derrière. Parce que derrière, après mon refus, on a enchaîné. Et comme on avait fait l'Intertoto que personne ne voulait faire, je m'en étais servi comme match amico. Il se trouve que je changeais l'équipe, mais je changeais jusqu'à 9 joueurs à chaque match. Et on jouait tous les 3 jours, c'était pour moi des matchs de préparation. Et comme ça, on a élevé tous les joueurs et qui étaient interchangeables. Et on a fait 64 matchs officiels dans la saison. Et j'ai continué en championnat, en Coupe d'Europe, constamment, à faire tourner l'équipe. Et on a élevé un nombre incalculable de joueurs et à un très bon niveau. Voilà, c'est super. Et c'était une bonne réponse, c'est très valorisant. Après, oui, on n'a pas été champion. Mais parce qu'après on retient que les titres, mais je pense pas qu'il y ait d'autres exemples sans aucun moyen d'équipes qui se soient élevées avec des joueurs qui atteignent et qui soient restés 3 ans à un très haut niveau de Ligue des Champions. Moi, j'aimerais bien aussi que vous parliez de l'importance de votre famille parce que dans le livre, c'est omniprésent en tout cas. Vous parlez beaucoup de votre femme et de vos fils, notamment. Pas beaucoup. Pas mal. Un petit peu. Pas mal, ils sont très importants. Entraîneur, on sait la difficulté du métier. Et puis, on est centré sur soi-même, on est un petit peu égocentrique aussi. C'est,
ça fait partie de la personnalité. Et puis, on a, quand on a une famille, voilà, on a tendance à être exclusivement football et puis pas être assez attentionné sur sa famille. Et donc, ça a dû, c'est vrai, j'en parle, pas dû être évident au quotidien, bien sûr, d'être l'épouse d'un entraîneur et de devoir le suivre. Mais je n'ai jamais conçu mon métier sans la famille. C'est-à-dire que partout où j'ai été, pour moi, il n'était pas question de faire ce métier sans ma famille. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et je me serais abstenu et je serais resté dans une autre tâche, sûrement dans un club. Et si je voyageais, si je pouvais m'exprimer sur le terrain, sur l'aspect professionnel en tant qu'entraîneur, c'est parce que j'avais une famille solide et proche et avec moi. Ça, c'est évident. Ça a été source parfois de tensions, notamment à Nice, d'avoir ses fils sur le terrain. Oui, mais comme je le dis, c'est une normalité. Bon, à Nice, j'avais ce penchant à développer de joueurs, pas simplement les faire débuter, parce que tout le monde peut faire débuter des joueurs à l'équipe première, mais surtout l'envie de les développer, de leur donner des armes, de leur donner une direction pour progresser et avancer et essayer d'épouser une carrière professionnelle. Et donc, j'ai lancé comme ça 22 jeunes pendant mon passage à Nice qui sortaient du centre de formation. Simplement du centre de formation, il y avait 22 jeunes qui sortaient. Et il se trouve que ce soit mes deux fils, Grégoire est le plus jeune, Paulin avait des qualités intéressantes comme tous les jeunes que j'avais lancés. Et surtout pour Grégoire, parce que l'autre était plus jeune, il n'a eu que quelques minutes. Grégoire, je lui changeais de poste, comme j'avais beaucoup fait avec Mavie, Pied, Debuchy, des ailiers que je transformais en arrière-latéraux, parce que pour moi, il est important qu'un arrière-latéral participe, et des qualités offensives, des qualités de centre, etc. Et c'est vrai que Grégoire, qui avait été formé attaquant, ben j'ai dit, ok, bon, tu es là, et c'est le président qui avait voulu, avec les recruteurs, que je le fasse signer, parce qu'il s'entraînait avec la réserve, et il le trouvait bien, et pour moi, c'était pas je ne voulais pas le faire signer. Quoi. Mmh. Et donc, c'est eux qui ont voulu le faire signer, et j'ai dit, mais je pense qu'il te fera changer de poste, reculer. Et c'est vrai qu'il était dans l'état de passage, il avait fait une très bonne entame, il avait fait de très gros matchs d'entrée, et après, il n'était pas régulier, il y avait des moments où ce n'était pas abouti, ce n'était pas suffisant, de moments c'était des bons matchs. Mais dans des périodes qui sont un petit peu tendues en termes de résultats, automatiquement, voilà, c'était focalisé. Ouais, c'est le sujet. Il aurait fallu tout simplement que j'arrive dans un club, le gamin, je dirais le joueur, soit affirmé, régulier, un titulaire en puissance, et il n'y aurait pas eu de débat. Là, c'était un joueur à qui on donne des temps de jeu, en concurrence avec d'autres, et ça pouvait pas le faire. Et dans l'esprit des gens, c'était « Ah, ben bon, il est là, c'est qu'il est pistonné ». Donc, à un moment donné, on ne peut pas lutter par rapport à ça. Voilà. Parler du travail avec les jeunes, c'est un fil rouge de votre carrière. On revient un petit peu en arrière, au début, puisque quand vous arrivez à Monaco, enfin quand vous commencez votre carrière dans le staff de Monaco avec Jean Tigana qui vous donne cette possibilité, vous faites prépa physique et donc entraîneur de la réserve. Et vous lui proposez de créer un groupe de jeunes qui sont proches du groupe de l'équipe première. Dedans, il y a Henri Trezeguet, bon, c'est bien tombé. Mais non, pourquoi ce travail plus, D'autres, bien sûr. Comme Christian Ball, bien comme sûr. Gilles Grimandi, comme De Santos. Ça fait, voilà. Les joueurs qu'on retrouvera bien sûr plus tard aussi, évidemment. Pourquoi vous avez été attiré par ce travail avec les plus jeunes joueurs très rapidement? Comme je disais, je ne m'étais jamais projeté à un entraîneur d'équipe première et devoir bouger. Moi, j'avais trouvé un deal avec le président Campora où je devais prendre la direction du centre de formation. Donc j'avais en tête de rester à Monaco, de développer des jeunes, et c'était un petit peu mon destin. Et il se trouve que bon, les aléas que j'explique dans le bouquin m'ont
m'ont obligé à prendre une autre orientation, mais ce n'est pas quelque chose que je voulais spécialement. Mais j'ai toujours été intéressé par les jeunes. Quand j'étais pro, je participais, j'entraînais les pupilles, par exemple, du club. C'était quelque chose, Arsène Wenger à l'époque, mon entraîneur, m'avait dit à un moment donné, bon, écoute, la pédale douce, parce que ça prend du temps sur tes entraînements ou quoi, et ta récupération, et puis voilà. Mais ça, c'était super intéressant. Donc j'ai commencé à passer mes diplômes pendant que j'étais joueur, et j'ai pas eu des courts-circuits ou quoi, ou des avantages. J'ai tout passé parce que je me programmais pour être entraîneur de centre de formation. Donc peut-être c'est un côté qui est sûrement même qui m'a suivi, mais pas simplement de développer des jeunes ou de faire débuter des jeunes. Parce que pour moi, je considère que n'importe quel joueur, même s'il est connu, de notoriété, déjà à un très bon niveau, continue à progresser. On peut toujours lui apporter quelque chose. J'aime développer mes joueurs, quels qu'ils soient, et de quel âge qu'ils puissent avoir. Ça, c'est important. Quand j'ai Athènes qui arrive sur Nice, mais bon, ça m'intéressait. Bon, il arrivait avec un certain niveau, certains trucs. Et il avait des manques, on les a travaillés, il fait une super, super saison. Quel type de manque, juste un exemple? Est-ce que vous avez fait un travail spécifique sur son travail sans ballon? Qui est Athènes? Oui, prenez exemple sur Athènes. Déjà, moi, quand il vient, je ne reste pas sur des on-dit, par exemple, parce que ce que peuvent dire dans les journaux, sur ce qu'on peut entendre, etc. Je veux me faire ma propre idée sur le joueur et sur l'homme. Et c'est vrai que dans nos entretiens, l'entretien que j'ai avec Athènes, je découvre quelqu'un de complètement différent par rapport à l'image qu'on présente de lui. Et ce qui m'intéressait, c'est que je le trouvais passionné. Il aime le foot, il regarde les matchs, il parle foot, il adore, il a cette passion. Voilà, ça c'est déjà super, ça c'est la bonne matière et c'est ce qu'il faut. Et après, bon, il arrivait à une période où il était en difficulté, il avait besoin de se relancer, il était peut-être plus à même d'être à l'écoute. Et c'est vrai qu'on a bossé, j'ai dit écoute, tu fais des choses, tu es capable d'éliminer 4-5 joueurs, de marquer un but pas possible, mais pour un truc positif que tu vas faire, il va y avoir énormément de déchets derrière. Et je trouve que malgré les qualités énormes que tu as, le talent que tu as, après tu finis pas tes actions par une bonne passe, un bon centre, un bon enchaînement, des buts, etc. Parce que quand tu arrives aux abords de la surface ou de la surface, tu es précipité. Tu n'es pas assez relâché, tu manques de sang-froid. Et on a travaillé ça. Et j'ai dit, voilà, tu frappes du coup de pied, et puis ça part à droite, à gauche, dans les nuages, des fois c'est cadré, ça peut faire des fois un super but, mais tu as trop de déchets. Et j'ai dit, au travail, il avait des figurines, puis après il avait des défenseurs, puis le gardien et tout, et puis voilà, d'éliminer, de fixer la figurine, de réaccélérer pour mettre à mal le défenseur, changement de rythme et d'enchaîner avec un intérieur, d'abord le long du poteau, après croisé, après une frappe cachée. Il m'a réalisé ça, mais c'était magnifique. Et avec le ballon partait de son pied avec une force, mais c'est un truc de dingue. Je lui ai dit, mais je t'ai jamais vu faire des choses comme ça. T'as jamais utilisé ton intérieur, ton placement, et de le travailler tes ballons plutôt que d'être en force et tout. Et il a commencé petit à petit à le mettre en place à ses entraînements, puis à match, et après il marque des buts, il le sent plus relâché, il fait des choses voilà, où il est beaucoup plus régulier, il marque des buts, il est important pour l'équipe. Est-ce que on a tort de penser que c'est la première fois dans votre carrière où vous mettez vraiment, même si bien évidemment il y avait un collectif super à Nice à ce moment-là, notamment grâce à un bon recrutement que vous faites avec Seri, il y a Cosiello au milieu de terrain, notamment il y a Le Marchand, il y a Bayes, Ricardo Pereira qu'on a vu après à Leicester. Mais est-ce que c'est la première fois que vous faites, entre guillemets, des concessions tactiques pour mettre en avant un joueur individuellement? Je pense que c'est la première fois où je concède de faire l'équipe autour de ce joueur, de le mettre dans un poste où il va pouvoir être performant et de construire l'équipe autour de lui. Donc pour ça, parce que j'avais commencé avec 4-4-2,
différents systèmes de jeu sur le côté où il avait le plus souvent évolué, côté droit, mais je le trouvais bridé. Il faisait toujours la même chose, rentrer, dribbler, tête baissée. Et puis, bon, il m'apportait pas d'équilibre défensif non plus sur le côté. Voilà, deux, trois matchs comme ça, je dis non, ça ne va pas le faire. Alors j'ai décidé de le mettre vraiment en 10 et puis de mettre autour de lui, de mettre en place un losange, à la pointe du losange offensif. Je n'avais jamais joué comme ça. On l'a préparé dans nos matchs amicaux. Et on gagne Naples, l'amical, Galatasaray, on leur met 4-0, Beşiktaş. Et je mets des gamins, je mets Cosillo qui débutait, que j'étais allé chercher avec les 19, il n'avait jamais joué avec la réserve. Que j'avais pris dans un petit club au Portugal. Mendy, papy, qui était libre, qui était en fin de contrat avec Monaco, qui était un jeune joueur qui n'avait pas eu sa chance, tellement sa chance également. C'était des joueurs à la fois qui avaient la qualité technique, qui travaillaient pour l'équipe, et puis qui m'assuraient l'équilibre avec Athènes. Et puis devant, il y avait Pléa, que lui aussi, on avait pris à Lyon, qui n'avait jamais débuté, mais je le connaissais de la réserve à Lyon, il avait été formé ailier. J'ai débuté avec lui ailier aussi à Nice, mais ça ne le faisait pas non plus. Je dis, mais pour moi, ça peut être un super attaquant. Il faut lui laisser plus de liberté, plus d'espace, plus de possibilités. Le former devant le but avec des exercices spécifiques, apprendre le relâchement, le sang-froid. Ça pouvait faire une bonne doublette avec Germain, qui était un peu plus disponible pour jouer, puis Pléa qui prenait la profondeur, voilà. Et j'avais fait une alchimie un petit peu avec tous ces joueurs que j'avais placés à des postes, des fois les changeant de poste. Donc c'est les joueurs qu'il faut. Pereira aussi était un ailier qu'on avait pris à Porto, qui était droitier, je l'ai mis arrière-gauche. Au début, c'était dans les matchs de préparation, c'était Grégoire qui jouait, qui avait été très bonne à la préparation. Bon, il avait fallu le faire à partir. J'avais formé Jérémy Pied, qui était ailier, et puis je l'avais formé à défenseur. Et là aussi, il a éclaté. Donc c'était tout un ensemble de choses, je dirais, d'alchimie, mais pour qu'Athènes puisse s'exprimer dans ce rôle-là, il a été prédominant. Est-ce que c'est les joueurs qui font votre système de jeu? Parce que vous avez joué dans beaucoup de systèmes, il y a le 4-3-3 on va dire à l'OL, avec plutôt deux points de basse. Avec Saint-Etienne, vous faites la défense à 3 aussi, si je ne me trompe pas. Au début, oui, oui. On a fait une défense à 3. Sur les dispositifs, ce n'est pas vraiment dans votre réflexion, ce que je veux dire, c'est plus les joueurs qui créent le dispositif. Oui, c'est la caractéristique des joueurs qu'on peut avoir, qui vont pouvoir peut-être mieux s'exprimer dans un système plutôt que dans un autre. Donc c'est pour ça que je ne suis pas complètement fermé sur un système, bien sûr. Je ne suis pas rigide là-dessus. Mais c'est vrai que ça dépend comment on le conçoit, on anime le système, avec quel profil de joueur. Il y a beaucoup d'équipes qui utilisent le 3-5-2 ou plutôt le 5 et en position défensive, ça devient une défense à 5. Et donc, il y a quelquefois des effets de monde, je trouve ce système intéressant, mais ça dépend comment on l'anime. Quand je l'ai fait à Saint-Etienne, il y avait 3 défenseurs axiaux, mais sur les côtés, il y avait Honora et Bouanga, c'était deux attaquants. Ce n'était pas pour subir, c'était pour être à portée, c'était pour faire des différences et pas de se retrouver avec une défense à 5. Parce que ça, je ne le conçois pas. Ça veut dire que si on met deux latéraux, qui sont avant tout défenseurs dans un 3-5-2, ça devient une défense à 5. Et automatiquement, on perd quelques mots au milieu, et pour récupérer le ballon, et surtout pour jouer, pour proposer des solutions, et faire du jeu chez l'adversaire, des fois. Et voilà, donc ça me convient moins, disons. Vous avez parlé de l'adaptation de certains joueurs, notamment Jérémy Pied, que vous mettez latéral. Vous avez fait aussi Toulalan défense centrale, il me semble, également. Ouais. Il y a un autre joueur que vous citez pas mal aussi, c'est Bodmer, Mathieu Bodmer, quand vous le ramenez à Lille et qui vient de Caen. C'était un joueur beaucoup plus rampe de lancement, entre guillemets, 6-8, que vous transformez en 10. Cette évolution de poste, est-ce que pour vous, c'est parfois indispensable pour que certains joueurs se révèlent? Je ressens qu'à un certain moment, le joueur à un certain poste va plafonner. Ou alors,
mais il ne va pas pouvoir s'exprimer, il ne va pas pouvoir sortir. J'ai d'innombrables exemples, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont changé de poste, entre guillemets, mais parce que quelque part, ils étaient en échec aussi. Et ça les a valorisés, ça leur a permis de s'inscrire de nouveau dans de la performance et de haut niveau. Il y avait à Nice aussi Jordan, par exemple, à ma vie, qui était avec la réserve, le directeur de sa formation ne voulait pas faire un signé professionnel. Il disait, ben c'est trop juste, quoi. Il passera pas. Et je lui dis, bon, ben, attends, on va essayer, on va le faire reculer, parce qu'il y a quand même quelque chose, il va vite, il a l'habitude de partir, mais c'est vrai qu'ailier, il n'arrivait pas à se retourner, il n'était pas assez fin techniquement, il ne se déplaçait pas assez bien, donc il était bridé, il ne s'exprimait pas. Je dis, on va essayer de le reculer d'un cran. Mais et ça, bon, ceux qui l'ont suivi disaient, ben, il y en a même un qui a dit, si lui devient un latéral, je mange un âne. C'est vrai qu'il était catastrophique au départ sur des aspects défensifs, puis petit à petit, à force de correction, de vidéo, il a commencé à apprendre. Et après, il nous fait une saison extraordinaire à Nice, et on le vend 15 millions après à Aston Villa. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien jamais de définitif sur un gamin. Il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de certitude. Mais il faut essayer. Il faut essayer de déplacer, il faut essayer des choses, il faut essayer de l'alimenter, de développer un aspect qui est pas assez performant pour le faire découvrir du haut niveau, et des fois d'en faire un international. Si vous allez dans le national, dans le national 2, national 3, mais il y a plein de joueurs superbes, qui ont de superbes qualités dans la technique, qui sont des joueurs de foot, mais où il va leur manquer un petit quelque chose. Et qui peut les révéler. Il faut aller les chercher maintenant, qui sont à cet étage-là, et on les transpose plus pour du haut niveau. J'ai toujours eu cette approche où il y a X exemples de gamins qui étaient en 3e division, en National 2, même plus bas, et qui viennent faire un essai pendant 2-3 jours, ou qui sont refusés dans les centres de formation, ou qui... Et puis, je trouve avec une caractéristique intéressante, mais en les changeant peut-être de poste, et on va les développer, et ça devient des internationaux. Et j'ai X exemples. C'est pour ça que rien n'est définitif. Malheureusement, on ne prend plus assez de temps pour faire ce travail-là. Et on va, l'entraîneur maintenant, il faut des résultats, et puis il ne va pas s'emmerder, entre guillemets, d'aller chercher un joueur en National 2, et puis... Et puis d'essayer de l'élever, comme Crasso dernièrement, qui est en tête des buteurs en 2e division. Je vais chercher un National 2, et voilà, et que j'essaye d'élever en essayant de combler les manques qu'il pouvait avoir. Et comment on fait quand on a un joueur trop fort, trop tôt? Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Avec Hazard, ouais. Hazard à Lille, à 16 ans. On n'est jamais trop fort, trop tôt. Ouais. Comment on développe ce type de joueur? Ben ça, c'est... Ou qu'on l'accompagne, je ne sais pas comment. Juste, on est privilégié de tomber sur un joueur comme ça. Personne ne peut se revendiquer l'avoir sorti ou l'avoir formé, parce que c'est un joueur qui se suffit à lui-même. C'est rare de trouver un joueur avec de telles maturités et déjà mature dans son jeu, avec une telle réflexion, tel sang-froid dans la zone de vérité, et avec des capacités et physiques et techniques exceptionnelles. Voilà, il faut juste essayer de ne pas le brider, de l'accompagner et de pas le gâcher, quoi, tout simplement. Il y a peu d'entraîneurs français qui se sont exportés, notamment en Première Ligue depuis Arsène Wenger. Sur votre expérience là-bas, évidemment qu'il doit y avoir énormément de différences avec la France, mais sur le travail avec les joueurs, est-ce que vous voyez des différences avec les jeunes et les moins jeunes? Est-ce que c'est plus facile de faire passer ces messages au-delà de la langue? Parce qu'il peut y avoir aussi la barrière de la langue qui a été plusieurs fois précisée pour les coachs français. Est-ce que vous voyez des différences? Je dirais que les gamins sont éduqués... d'une certaine manière, donne une intensité à l'entraînement, et puis
voilà, ça pardonne pas. C'est-à-dire que si jamais dans l'état d'esprit ou quoi, ils prennent pas le temps d'essayer de transformer le joueur, s'il répond pas à une exigence au niveau de la personnalité, du caractère et puis du sérieux, très vite, il passe à autre chose. Et un peu pareil chez les professionnels. C'est-à-dire que il y a une telle intensité à l'entraînement, c'est court, rythmé, et il donne tout. Il y a un engagement, et puis c'est respect par rapport à la hiérarchie. L'entraîneur, il vous appelle le boss, ils sont à l'écoute et ils sont professionnels. Il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas d'état d'esprit et de galvauder un petit peu l'entraînement. Non, ça n'existe pas en France. Voilà, on est un petit peu olé olé, on est patient avec des gamins qui sont talentueux mais qui ne sont pas du tout structurés ou qui ne sont pas encore très respectueux parfois. Là-bas, ça pardonne pas. Et ceux qui arrivent de l'extérieur, les étrangers, ils arrivent deux, trois dans un groupe qui est déjà formaté comme ça. Et ils se mettent à la page. Et très vite, sinon ils sont repris de volée par les autres joueurs. Donc il y a quelque chose qui se met en place très très vite et c'est un bonheur d'entraîner parce que ça réagit très très vite, c'est très vite à l'écoute. Il y a un aspect aussi où je dirais l'arbitrage, ça va pas dégainer comme ça à l'emporte-pièce très vite. Il y a des fautes, des petites fautes, mais oui, qu'on siffle en France, qui ne sont pas sifflées là-bas. Et ça met, je dirais, ça met de la fluidité dans le jeu, ça maintient du rythme, ça donne quelque chose où les Anglais, voilà, ils ont besoin d'être alimentés parce qu'ils voient les joueurs se donner. Mais c'est tout un ensemble, c'est les arbitres qui sont dans le coup, c'est le staff, c'est les joueurs, c'est le public qui aime ça. Public, il y a un joueur qui fait du cinéma, qui se roule par terre, qui public, même ses propres supporters, ils voient qu'il la joue, quoi, il fait du cinéma, mais ça, il se fait siffler, c'est pas du tout accepté. Donc c'est tout un contexte qui est fait pour la performance, quoi. Du coup, c'est quoi votre prochain club anglais? On verra. On va quand même parler de la suite. Moi, je vais vous poser une question pour terminer. Dans votre façon de travailler, est-ce que vous êtes prêt à faire, entre guillemets, parce que vous l'avez déjà fait dans votre carrière, des concessions sur votre style de management? Est-ce que vous avez une idée précise du type de club où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire dans le futur? J'ai refusé pas mal de propositions qui pouvaient m'éloigner, pour moi, de trois championnats majeurs. Que je trouve intéressant, et c'est de rester en Europe et c'est de rester avec des possibilités, des moyens de joueurs, des moyens financiers pour faire du haut niveau et pas me remettre dans une sûrement pas l'énergie de repartir dans quelque chose, rebâtir et refaire quelque chose dans l'incompréhension, alors qu'on est en mission et qu'on sauve globalement le club, on se fait construire, on se fait descendre. Donc ça, j'ai donné. Donc voilà, je repartirai en club, ou peut-être une sélection, parce que j'arrive à un âge où je suis beaucoup plus ouvert à ce genre de perspectives, mais je n'irai pas sans moyen. Et je serai exigeant. Et si je ne ressens pas le truc, comme je ne l'ai pas ressenti dans différentes propositions, et bien je resterai à la maison. Voilà. Merci Claude. Merci à vous.